Oui. On s'est vu hier. Pour l'interview. Bon, alors racontez-moi. Une histoire de cookies, c'est ça? De biscuits sablés. De biscuits sablés, pardon. Et alors? Rien d'anormal. Ils sont bons. Mais la dernière fois, ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés? Comment ça? 12h50. Ils étaient là. Je suis parti 5 minutes faire un truc. Quand je suis revenu là, paf! Paf. Disparu. Téléporté. Ils étaient plus là. Et là, je regarde sous la table, pouf! De nouveau là. Tiens, le dernier canard. Alors, ça avance ton histoire? Pas trop. Fais gaffe quand même, hein. Le patron arrive bientôt. Bah, j'ai un sujet, mais c'est sur un gâteau qui parle ou qui bouge. Putain, c'est marrant, j'ai entendu une histoire vraiment similaire il y a pas très longtemps. Hey yo la commu, ça va? Il m'est arrivé un truc de ouf aujourd'hui, faut que je vous raconte. Il y a des biscuits, ils se sont mis à bouger. Genre, je prenais mon petit déj et tout, et ils sont là, ils faisaient leur vie et tout, ils ont bougé. Ok Google, comment communiquer avec un gâteau? D'accord, j'ai une recette de gâteau au yaourt sur Gourmandiserie. C'est une recette pour 6 personnes qui demande environ 1 heure de préparation. Ça vous va? Non. Aucun problème. Thank you.
m'a pris du temps. Mais finalement, je crois avoir réussi à déchiffrer une sorte de message de la part des Sablés. Et ils ont dit... Majokaratoma otorhinolaryngologis parotique atamozumba. Ça vous dit quelque chose, vous? Ah bah voilà, je me disais bien aussi que ça ne faisait aucun sens. Petit sablé, sucré salé, veux-tu bien communiquer ?